flou. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce nouveau vlog. Deuxième vlog. Ça veut peut-être dire que je suis revenue, vraiment. Avec mes petits vlogs, j'ai plus de batterie. Enfin bref, je vais manger et boire mon matcha. Et ensuite, je vais sortir. Je vais me dépêcher de sortir pour essayer de faire un petit tour en ville, vu que j'habite en ville. Pour voir si je peux pas repérer une place de parking ou me garer. Parce qu'en fait, demain, il y aura la braderie. Et je pensais que ça commençait aujourd'hui à 19h. Parce que les panneaux disaient aujourd'hui à 19h. Donc en fait, apparemment, c'est demain. C'est demain que ça commence. Et donc, il faut que je déplace ma voiture parce que sinon, ils vont l'enlever. J'ai même fait un cauchemar dessus pour vous dire. Je comprends pas en fait. Nous, on fait comment ceux qui vivent en ville en fait. Du coup, il va falloir que je cherche une place où me garer. En fait, j'avais eu l'idée d'aller me garer chez ma soeur. Et puis de remonter jusqu'à chez moi à pied. Mais ma soeur, en fait, elle habite pas loin de chez moi en voiture. Mais à pied, c'est un peu plus loin quand même. Et donc, c'est un peu galère. Donc, je vais chercher où me garer. Donc, voilà. On fait ça et je mets ma batterie à charger. Et ensuite, on parle un peu, on papote un peu. Et vous passez la petite journée avec moi. Voilà. Je suis prête à sortir. Du coup, je me suis habillée comme vous avez vu rapidement. Alors, je me suis habillée. Il y a un soleil dehors. Mais je trouve qu'il fait quand même frais. Donc, je me suis habillée comme ça parce que du coup, il fait hyper frais. Et moi, je déteste le froid. Déjà, je suis un peu malade. Mais c'est pas une malade. En fait, je suis enrhumée. Mais physiquement, ça va. J'ai pas fait mes ongles. J'ai pas eu le... Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps. Mais j'ai pas eu la force de les faire. Du coup, voilà, c'est comme ça pour l'instant. C'est pas grave. Je vais sortir vite fait là. Et en fait, du coup, ça a tout chamboulé parce que j'étais censée sortir avec une copine aujourd'hui. Du coup, là, j'attends de voir si on va sortir quand même. Parce qu'en fait, moi, je comptais faire la braderie avec elle aujourd'hui. Mais en fait, c'est elle qui m'a dit, mais en fait, non, les parkings seront bloqués aujourd'hui à partir de 19h. Et où il faudra plus être garé en centre-ville. Mais par contre, la braderie, elle commence demain. Du coup, j'étais là, ah, ok. Mais moi, je compte pas sortir demain faire la braderie. Je suis désolée, mais le dimanche, pour moi, c'est la messe. La messe, elle termine à midi. Moi, je rentre chez moi me poser, en fait, pour me ressourcer avant de reprendre le taf lundi. Donc là, je ne sais pas si elle sera contente que je ne le fasse pas demain. Mais bon. Voilà. Bref, je vais y aller et je vous reprends dans les petites rues d'autour. Je suis ravie. J'ai trouvé une place de parking. En plus de ça, c'est avec mon forfait résident. Et c'est pas très loin de chez moi. Donc, ça veut dire que je peux rester ici tranquillement. Il n'y aura pas la braderie ici, de ce côté-ci. C'est juste derrière chez moi. Je suis contente. C'est-à-dire que lundi ou même dimanche soir, je peux peut-être venir. Non, pas dimanche. On va oublier dimanche. C'est-à-dire que lundi matin, je pourrais venir ici. Pour récupérer ma voiture pour aller au taf. Donc, j'ai plus qu'à descendre la rue, venir ici, prendre ma voiture. C'est un peu bizarre d'aller aussi... C'est pas très loin, mais c'est bizarre. Donc, je vais juste revérifier avec mon forfait résident si c'est bien ici. Je suis contente.
retour de course rapidos parce que là il est 16h37, je viens tout juste de rentrer du taf et comme je suis passée au Lidl pendant ma pause du midi, du coup j'en ai profité pour prendre des petites choses comme un melon. On est mercredi, j'ai dit, on est mercredi le 17 septembre, j'ai pris un melon, je vous fais ça rapidement, hein. Après je vais me faire un bon matcha, je vais m'asseoir sur mon canapé, je vais respirer. Oh my god, parce que bosser avec les enfants c'est trop bien, mais c'est envahissant. Ce matin je suis partie, j'étais coiffée, il y en a qui m'ont crépoté les cheveux, qui ont attaché, qui ont fait des trucs. Les filles c'est quelque chose. Oh. Et du coup j'ai pris des raisins comme ça, parce que j'adore les raisins. J'ai pris des bananes, en fait c'est les fruits qui me manquaient le plus, j'avais plus de fruits du tout, j'ai pris des bananes pour mes cookies. Ensuite, j'ai pris deux pains complets, j'en avais plus du tout, donc je suis contente. Et pour finir, quand je vous ai dit, hein, c'était hyper rapide, je me suis pris mes trois bouteilles de lait d'avoine, parce que j'en avais plus du tout. Et franchement, comme je vous ai dit, hein, le matcha le matin... c'est essentiel, je peux pas m'en passer. Et comme demain on est mercredi et que je travaille pas, j'en ai besoin aussi. Quand je rentre du taf, je me pose devant ma télé, je respire un peu, même si je regarde pas grand chose. Mais là j'avoue, j'ai recommencé à regarder hier Vincenzo. Je vais essayer de vous l'écrire dans l'écran parce que du coup je le prononce hyper mal et du coup bah, vous savez pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai recommencé hier à le regarder. Cette série est trop bien d'ailleurs. Dites-moi si vous voulez que je vous cite les K-dramas que j'ai regardés. Certes, je ne vais pas en parler tout le temps, mais j'avoue que je ne vous ai pas cité ceux que j'ai regardés et que j'ai beaucoup aimé. Dites-moi si vous voulez que je vous en cite dans mon prochain vlog. Ça me ferait plaisir de m'asseoir, de vous citer et de vous parler un peu, un petit résumé de chacun des K-dramas que j'ai regardés. Comme ça, si ça peut vous intéresser, on ne sait jamais. Donc, j'ai pris mes trois bouteilles de lait d'avoine comme ça. Je vais garder un ici parce que je vais le boire tout de suite là avec mon matcha. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Clairement, je suis même pas fatiguée physiquement ou quoi, mais juste en fait, le fait qu'il y ait du monde à l'école, les enfants et tout, c'est envahissant. Être dans les classes où les enfants parlent beaucoup, ils sont agités, ils se lèvent tout le temps, c'est envahissant en fait. C'est ouf. Je souffle en fait, je souffle quand j'arrive chez moi, je souffle. J'espère que vous allez bien. Bon, pour ma part, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi le 18 septembre. Là, je me suis préparée rapidement ce matin parce que là, clairement, il est 9h. Je vais rejoindre ma soeur vite fait pour l'accompagner à la gare, en fait, pour qu'elle puisse faire sa carte de bus. Parce qu'elle, en fait, elle a sa voiture, mais comme elle travaille en centre-ville, en fait, elle n'a pas... elle ne veut pas prendre sa voiture, du coup, elle va faire sa carte de bus. En fait, elle l'avait déjà fait, mais il y a eu un petit souci, du coup, on va voir ça. Ensuite, je vais revenir ici chez moi, me poser tranquillement, parce qu'il est quand même tôt. En fait, aujourd'hui, j'ai rien à faire du tout. J'ai une tête, mais en fait, je suis fatiguée, je viens juste de me lever, en fait. Du coup, j'ai une sale tête. Mais aussi, il faut que je refasse mes cheveux, parce que là, c'est une catastrophe, c'est hyper moche. Je sais pas du tout à quoi je ressemble là, mais waouh. En tout cas, je vous ai montré mon outfit. J'ai juste mis une jupe noire, un petit haut blanc avec un petit gilet et puis une petite veste avec des collants et des... voilà, ça va faire l'affaire.
En gros, voilà mon outfit. J'aime trop en fait. Je ne sais pas pourquoi je ne m'habille pas souvent comme ça habituellement, franchement. J'avoue que je suis quelqu'un qui a hyper peur du froid. Du coup, en fait, j'ai tendance à mettre des couches de vêtements sur moi. Mais là, il fait 16 degrés en fait. Il y a un peu de soleil. Donc, je pense que ça devrait aller. En plus, vu que je ne reste pas longtemps dehors, bon, ça va quoi. Donc, voici ma petite tenue. J'aime trop. Genre, je sais pas pourquoi je ne m'habille pas comme ça habituellement. Franchement, elle est trop belle. Genre, franchement, j'aime trop. Regardez-moi ça. J'aime trop. Bref, j'y vais. Je suis de retour chez moi. Bon, j'ai fait ma petite balade du matin avec ma soeur. En fait, moi, j'avais pas grand chose à faire. Mais j'ai juste accompagné ma soeur, en fait. En vrai, elle avait pas besoin de moi. Mais en fait, je me suis dit que depuis que ma soeur, elle est ici à Tours, en fait, quand elle est arrivée, en fait, elle a commencé à bosser directement, tout ça. Enfin, on n'a pas eu le temps, en fait, de se balader, du coup, quand elle m'a dit qu'elle venait, que du coup, elle passait en centre-ville parce qu'il fallait qu'elle passe à la gare. Je me suis dit, why not? Du coup, je me suis levée, je me suis lavée, tout ça, et on a marché, on a parlé, c'était vraiment sympa. Et du coup, elle est partie bosser parce qu'elle, elle travaille le mercredi. Du coup, je suis rentrée, je me suis baladée un peu, j'ai fait ma petite balade du matin, ça m'a fait plaisir. Et en fait, là, je vais juste me faire mon matcha. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de faire ce matin, parce que ma soeur, elle était déjà là en fait. Elle a pris le bus directement et elle est venue. Et en fait, j'avais pas le temps de boire mon matcha tranquillement, posé. J'attendais de revenir chez moi pour me poser tranquillement. Parce que clairement, aujourd'hui, je n'ai rien à faire. D'ailleurs, je vais arrêter ce vlog aujourd'hui, franchement. Je sais qu'il n'a pas été fourni, j'ai pas fait grand chose. C'est des petits moments de vie rapides. J'ai vraiment rien fait de fou malade. Mais voilà, c'est ça en fait. Vous me verrez pas faire des trucs de fou malade. Donc, je vais l'arrêter aujourd'hui. Ça, je l'avais acheté, mais ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Pourtant, il y a des piles et tout. Du coup, avec ma soeur, on a beaucoup marché. D'ailleurs, elle m'appelle. Je sais pas pourquoi elle m'appelle encore. Parce que je vais vous laisser là. Je vais m'installer tranquillement, me poser. Et je vais monter cette vidéo. Donc, je vous laisse. Et j'espère vraiment que ce petit vlog où il n'y avait pas grand-chose vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, activez aussi la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et aussi allez me suivre sur Instagram. Et pas sur Snap parce que je ne mets plus. Sur Instagram que je mets quelque part par ici. Je vous fais des gros bisous les gars. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis ici. Prenez soin de vous. Payez amour sur vous les gars. Ciao.